serrer, fermier. N'oublie pas ton petit soulier. Je m'ennuie. Bon, il était une fois. Ah oui, c'est ça. Il était une fois une nuit pas comme les autres. Oui, c'est ça. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout est calme. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon histoire, toi? T'inquiète, continue. Bon, une nuit pas comme les autres. Beaucoup trop calme. Beaucoup trop calme en ce moment. Ben oui, par les temps qui courent, on reste plutôt chez soi. Mais là, quand même, c'est n'importe quoi. Il y a Noël qui approche. Ah, j'ai trouvé. Voici l'histoire de Charles. Oh, pardon, vous ne connaissez peut-être pas Charles. Charles est carillonneur. Eh oui, vous avez bien entendu, carillonneur. Bref, Charles ne parvient pas à s'endormir. Quelque chose le tracasse. Ben oui, tu m'étonnes que ça le tracasse. Il est prêt pour jouer Noël. Pourtant, à l'approche de Noël, on fait des trucs un peu fous, un peu magiques. Oui, c'est ça, on fait des trucs un peu extraordinaires, quoi. Mais là, quoi faire? Tout le monde dort de toute façon. Mais attends, j'ai trouvé! C'est à ce moment-là que Charles entendit une petite voix au creux de l'oreille. Hé, Charles, si t'as pas d'idée, bataka carillonner! Et comme ça, tu réveilleras tous les musiciens confinés pour jouer Noël! Allez, hop, 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 les musiciens, on se réveille, on vous attend avec Caramel pour jouer Noël. Alors Caramel, tu t'installes là et fais attention, septième mesure, le fa dièse. Allez, c'est parti. Thank you.
trop bien de vous entendre. Charles est ravi. Il va pouvoir enfin ronfler comme un loir. Mais attends! Qu'est-ce qu'il y a? Figure-toi que dans la suite de mon histoire, Charles avait encore envie d'entendre encore plus de musique et de voir encore plus de musiciens. On les appelle Agnès, Bastien, Bertrand, Capucine, Christian, Patrice, Roman, Rudy, William, Valérie, Suzanne, Stéphane, Pauline, Patrick, Pascal, Nikos, Sandrine. On vous attend! Thank you.
je crois bien qu'elle est terminée. Notre histoire. Mais oui, t'inquiète, notre histoire. Les musiciens confinés ont pu quand même jouer Noël. Et les enfants étaient là. Et nous, on ne s'est pas ennuyés. Et voilà. Et on vous souhaite un joyeux Noël de la part de tous les musiciens confinés. Et n'oubliez pas, on a toujours le droit de rigoler. Moi, pour Noël, j'aimerais bien avoir une décoration de Noël. Moi, pour Noël, j'aimerais bien faire de la bulle. La musique, c'est ma passion. J'aimerais bien, le jour de Noël, que je danse et que je chante toute la journée. Moi, ce que j'aimerais bien à Noël, c'est d'entendre les clochettes des reines.